had no need to fight tonight, tonight. Ça va. Salut les loulous. Aujourd'hui on fait un petit tuto. Merde. Où est les nègres? Ah vas-y, je le mets au montage. Vas-y, attends, à 1, 2, 3. Salut les loulous. Really nigga. C'est quoi ce bruit? Amis, je vais vous faire une petite vidéo. C'est un putain, mais c'est quoi ce bruit là? Merde, c'est un peu mou tout ça. Une petite vidéo, un tuto. Vous vous rappelez de ça? Comment passer de vitesse? Si vous n'avez pas vu ma vidéo, allez la voir. Elle s'affichera dans le petit en haut, quelque part là-haut. Je sais plus si c'est à droite ou à gauche. Voilà. Alors, du coup, je vais faire un petit tuto. En fait, non, vous entendez le bruit? Bah alors du coup ouais, on fait un petit c'est pas un tuto, c'est genre je vous donnais quelques conseils. Alors honnêtement, le prenez pas comme si je roulais hyper bien, comme si j'étais un pro, rien du tout de tout ça. Je suis juste quelqu'un qui aime la moto, qui fait de la moto, qui vous partage mes vidéos. Et oula. Et du coup en fait, je vais juste vous expliquer 2-3 petits conseils que j'ai à vous donner si vous débutez de la moto. C'est toujours bon à apprendre, ça fait plaisir. Donc on va commencer en fait avec la position sur la moto, comment mettre la jambe, qu'est-ce qu'il faut faire en fait sur un terrain type comme ça, là où vous avez une bosse là, mais bon c'est vraiment de la merde honnêtement. Un terrain de ce type avec que des virages, donc là c'est hyper bien pour apprendre ces virages. Alors du coup, on va commencer tout de suite, je vais éteindre la moto, on va commencer tout de suite avec la position sur la moto et en même temps la position de la jambe. Donc en fait la position sur la moto, putain, je mesure 1m60, je sais pas combien, 70, je sais pas combien. Et ma dirt elle est toute petite, ça va être dur de la remontrer. Alors en fait la position sur la moto, comme je vais te montrer face à la caméra là. En fait la position, vous devez avoir quand vous êtes assis, bah ça va être assis sur une moto normale comme ça. Et quand vous êtes debout en fait, vous devez avoir le devant en fait de vos bottes, là ici ou de vos pieds quoi. Le devant de vos pieds sur le calepied. Vous devez avoir en fait, je suis désolé, j'explique un peu mal, mais genre le talon, non, enfin le pied, le genou, coude et tête, il me semble, tout aligné en fait. Quand vous êtes debout sur la moto, vous devez avoir tout aligné. Donc là, je sais pas si ça le fait, j'arrive pas à me dire quand je suis sur la moto, je suis à peu près comme ça. Mais après là, je suis sur une dirt et c'est que je suis grand, mais sinon vous devez être aligné en fait, vous formez un alignement. Donc voilà, quand vous êtes sur la moto, vous êtes comme ça. J'explique brièvement. Ensuite, pour la position freinage. Pareil, mais en fait, un peu plus en arrière, en fait, ça fait presque un angle à 90. 90, ça serait là, donc vous êtes là. En fait, vous mettez pareil, un peu plus en arrière, pour vraiment avoir le poids sur l'arrière et que la moto ralentisse. En fait, on va faire par étapes. Donc du coup, vous êtes debout, vous roulez, vous arrivez dans un virage, vous devez vous mettre en position freinage. Et dès que vous entrez dans le virage, comme ici, vous pouvez voir, montre-leur, on en rentre dans un virage. Donc voilà, on rentre dans le virage et là vous faites comme ça en fait. Vous arrivez dans le virage, vous rasseyez devant la selle, tout en, on ne voit pas ici, mais on verra à ma caméra, tout en mettant votre pied à l'avant en fait. Donc voilà, en fait ça fait comme ça, vous roulez, vous êtes comme ça, vous roulez, vous passez en mode freinage en arrière et dès que vous rentrez dans le virage comme ça, c'est comme ça, vous vous mettez en avant en fait. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça, vous juste le faire en pratique plusieurs fois. J'espère que vous comprendrez avec l'autre GoPro. Donc là je vais vous le montrer quelques fois. Là je suis en avant. Hop. Freinage obligé d'être assis là. En avant. Tendez votre jambe. Pareil, en avant, vous tendez votre jambe. Voilà. Comme ça.
en avant, vous tendez la jambe. Et là, je viens d'avoir une idée en fait. Ce qui va avec tout ça en fait, c'est le regard. Donc en fait, vous arrivez dans votre virage, comme l'exemple de la ligne droite. Et ben, vous arrivez dans la ligne droite en accélérant. Votre but là, c'est l'entrée du virage. Donc vous arrivez dans l'entrée du virage, je vous remettrai un extrait d'une vidéo au ralenti. Vous arrivez dans l'entrée du virage, votre but c'est l'entrée, regardez l'entrée. Une fois que vous avez commencé l'étape de vous mettre en avant, de mettre votre pied, vous serez à peu près au niveau de, je sais pas, vous voyez là-bas, je mettrai une flèche. Et à ce moment-là, vous devez tourner votre tête vers l'extérieur du virage, la fin du virage. Donc là, vous allez continuer votre virage jusqu'à la fin. Une fois que vous arrivez à la fin, votre regard il est au plus loin possible, le prochain obstacle en fait. Donc voilà, je vais vous le refaire en roulant. Donc, je sais pas si vous avez compris, vous arrivez, votre but, c'est l'entrée du virage. Une fois que vous êtes à l'entrée, après vous pouvez faire par une autre étape, c'est le milieu. Mais bon, ça c'est vraiment dans des grands virages, moi je fais ça sur route. Enfin, plus maintenant vu que j'ai plus de moto. Mais votre but, ouais, c'est entrée, milieu, sortie. Mais bon, là on est sur terrain de cross, c'est des petits virages. Votre but, c'est vous regardez l'entrée, une fois que vous êtes bien dans la position que vous voulez, vous regardez la sortie. Et ah oui, on parlera du gaz aussi après, vous regardez la sortie. Une fois que vous êtes à la sortie, vous regardez prochain obstacle. Faire la même chose. Là, entrée du virage, là-bas. Entrée du virage, sortie. Entrée du virage, sortie. Entrée du virage, sortie. D'accord, j'ai passé ma première, c'était vraiment pas utile. Donc voilà, vous avez compris, entrée du virage, et vous êtes là, sortie. C'est vraiment robotisé parce que c'est pour vous montrer. Hein. Mais voilà, entrée, hop, sortie, je vais vous le montrer devant la GoPro de là-bas. Après, une chose de plus, là vous voyez vraiment tourner la tête. Vous n'avez pas besoin de tourner la tête, vous faites vraiment que vous avez une épingle comme ça, vous pouvez tourner la tête voir la sortie. Donc là, genre là, vous tournez la tête comme ça. Mais sinon, là, je tourne la tête pour vous montrer vraiment avec la GoPro que je bouge vraiment. Mais sinon, un petit regard avec les yeux, avec l'angle que vous avez dans le casque, ça suffit largement. Vous arrivez là, vous jetez un œil là-bas. Et là, voilà, virage suivant. Vous jetez un œil là, hop. Et là, obstacle suivant. Ah ouais, la position, tac, le regard. Et ce qui va avec maintenant, c'est... Voilà les gaz. Donc là quand vous arrivez, peu importe l'allure, rien à foutre, vous arrivez autant que vous voulez, fort ou doucement. Le mieux c'est une vitesse assez correcte. Et Comment tu me regardes? Non, je sais pas, je te regardais comme ça et je vois tes petits yeux dans le casque là. Alors du coup, je vais expliquer, vous arrivez dans le virage, vitesse n'importe. Arrivez là, en fait, cette zone ici où on est, je vous donne toujours l'exemple d'ici mais vous adaptez ça au terrain que vous avez. Dès que vous arrivez ici à cet endroit là à peu près, c'est là que vous devez commencer à freiner, voilà, arrivez ici, vous freinez jusqu'à l'entrée du virage. À l'entrée du virage, à peu près, vous lâchez tout. C'est là où vous mettez justement, vous lâchez tout, vous mettez en position, parce qu'une fois que vous avez lâché, vous êtes libre de vos mouvements, vous n'êtes plus à fond sur vos freins. Vous lâchez tout, vous mettez en position, et là, il y aura un moment entre... comment je peux leur expliquer? Attends, je vais m'avancer. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Vous arrivez ici, vous freinez. Jusque là, là, juste devant. Une fois ici, il y a un moment en fait entre là, l'avant, là. Vas-y, pour leur montrer. Avance. Voilà, donc vous freinez jusque là. Et d'ici à... Vas-y, continue. Voilà, stop. D'ici à là, à peu près, hein, vous adaptez ça à votre terrain. Ce sera le moment où vous allez rien faire. Où la moto va se laisser rentrer dans le virage en fait. Vous allez toucher à rien, aucun gaz, rien. C'est le moment le plus fluide en fait. Donc vous allez laisser la moto rentrer. Et arriver à ça, d'où elle est ma copine. Jusque... Hop. Presque, attends. Il y a l'étape du frein, l'étape de rien faire. Et d'où t'es à la moitié, pas la fin, hein, pas la fin là-bas, la moitié ici. Vas-y, je te laisse avancer. Donc voilà, jusque encore un peu, voilà là, stop. Jusque là, ça va être le moment au gaz constant, comme j'explique à chaque fois. Vous gardez les gaz constants, vous rouvrez un petit peu, histoire d'être bien sur votre trajectoire et tout. Et une fois que vous êtes là-bas et que vous avez la visibilité sur
votre prochain obstacle ou quoi, là c'est gaz à fond, vous ouvrez en grand. Après, si vraiment vous vous sentez plus à l'aise et que vraiment vous voulez passer très fort, ça va être plus rapide, vous arrivez à vous freiner, vous lâchez le moment où il se passe rien, ça va être vraiment rapide, et c'est limite, vous rouvrez les gaz au plein milieu de virage, vous ouvrez à fond. Mais sinon c'est ça, si vous freinez, vous faites rien, la moto elle tombe, léger coup de gaz, et là, ouvrez à fond jusqu'au prochain obstacle. Voilà. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo, faire ce petit montage. Je vous dis portez-vous bien les amis. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker si ça vous a plu, de me suivre sur Insta, sur Snapchat, ça s'affichera en bas, sur Facebook. Tout ça, tout ça. Et je vous dis, portez-vous bien. Je vous aime. À la prochaine. C'était Powerfly. Ciao tout le monde. Care about an argument, I'll still be here tomorrow for you. I got the room up in the city, we can play, finish the bottle. I pull you up, we'll work on us, 'cause ain't nobody taking my baby. I wanna be clear, I'm staying right here, 'cause ain't nobody taking my baby.